Bonjour, toujours du musée de enfin, la cité de l'automobile à Mulhouse. Je me suis arrêté devant cette Trabant. J'ai pu en voir une également, si vous avez vu mes autres vidéos, au musée de l'OEAC. Il y avait une Trabant Sport et ici on a une Trabant modèle classique, donc véhicule qui était fabriqué en Allemagne de l'Est. Donc jusqu'à la chute du mur. Et bon, en profiter pour s'approcher vraiment de ce véhicule qui est fait d'ailleurs en une carrosserie qui est vraiment pas très très solide en composite. Enfin, je sais pas vraiment comment c'était fabriqué. Deux portes, délai de livraison à peu près une dizaine d'années. Bon, et c'est vraiment très rudimentaire. Vous voyez, produit jusqu'en 86. 26 chevaux pour 600 cm3, 2 cylindres. Donc, on va faire le tour. Vous voyez l'intérieur complètement rudimentaire. Volant de branche. On sent l'influence soviétique. L'arrière avec le DDR qui témoigne du passé du véhicule. Et voilà les Trabant. Véhicule qui a été méconnu en France jusqu'à la chute du mur, puisque on a découvert les véhicules que lorsque les personnes qui vivaient en République démocratique sont mises à voyager après la chute du mur. Donc ils voyageaient tous dans ces véhicules. Et bon, voilà, c'est là qu'ils ont découvert ce que nous on faisait en Europe de l'Ouest. Voilà.